Bilte milye la zounen pou sa premye zo mwen fevriye, bon apremidi. Komans bilte avek bon gran tit. Sa nef zom ki mazorite soti pralen epi rike dan kadrog, inye gan isaze devan la kou siprem. Komisyon antikorupsyon y di ki zo satisfe avek 23e pozisyon ki sesir in gade l'Olendex Perception Korupsyon pa Transparency International. L'autorité PAC et ZADEN peut mettre l'emphase de protection de PAC et ZADEN et les autres demandes publiques pour continuer à respecter bonne réserve. Et le côté international, les PAC François inarrive République démocratique Congo et Ukraine y recevoir un 61 tech la guerre avec l'Amérique. Nous passons le bon détail. Rapport l'index de perception corruption par Transparency International est sorti tard mois passé. Et c'est il est resté dans la même position qu'ils ont été l'année passée, ça est 23e dans 80 pays, dans 180 pays plutôt. C'est il aussi encore une fois dans l'Afrique, suivi par Botswana et Cap-Verde, qui ont tous les deux dans 27e position. Député commission anticorruption Denis Joubert, il dit qu'ils sont satisfaits avec position Cécile ou l'index. Oui, ils sont satisfaits, c'est à cause, nous connaissons pour dire l'année passée et l'année avant ça pour dire nous avons un caisse qui est dans l'intérêt national aussi qui est international. Et nous imaginons pour dire ça, car on a un impact, le nous. Score qui nous gagne pour ça l'année à cause souvent de nous voir les beaucoup ban il y a beaucoup ban caisse d'un pays il gagne quoi pour dire il y a beaucoup corruption et ça pendant les cas pour Cécile raison qui pendant les cas pour Cécile c'est à cause il y a beaucoup d'efforts aussi qui peut gagner faire de Cécile pour qui nous minimise corruption et un bon point fort qui sort de ce rapport qui nous dit pour dire ce qui fait nous croire comme si fait nous satisfaire, c'est à cause des efforts qui nous peut faire en vis-à-vis amendement de nous la loi et ça nous fait une ressortie et progrès aussi qui nous fait dans le passé et nous un pays dans l'Afrique qui nous fait plus progrès pendant depuis 2012 nous fait un déplacement par 18 places comparé avec beaucoup les autres pays. Neuf dimons y gagnent sasé par la Cour suprême pour faire complot aussi bien qu'y accomplissent pour import drogue illégale de pays. Sa neuf hommes Cécilois âgés entre 36 à 64 ans, majorité sorti pour Alain, il le remande pour 14 jours. Sanef Dimouni Jean-Pierre Poul, 64 ans, sorti en Sboudin Pralin, Robin Marcel Samson, 49 ans, Bessintane, Christophe Ryan Kenendo, 41, sorti Grand-Anse, Jeff Dominique Poul, 47 ans, sorti en Sreyon Ladigue, Steven Daniel Volser, 40 ans, sorti Montplaisir, Sandy Norbert Vidot, 43 ans, sorti Grand-Anse, Kevin Prosper, 36 ans, sorti Côte d'Or, Victorin Roger Robert, sorti Cascade Mahé, et Adolphe Jason Joubert, 48 ans, sorti Petit Paris Mahé. Sorti gagné arrêté entre les 2 et les 7 Samoans. La police dit que l'information qu'ils sont incapables de récupérer à travers, par exemple, record téléphone, messages et correspondances, sa nef suspect y forme partie d'un réseau bien organisé qui collecte et transporte drogue illégale ici Cécile, sorti principalement dans 3 pays, Swaziland, Mozambique et Madagascar. Qui ont des affaires de voyage aux îles Saint-Pierre, qui ont collecté drogue là-bas et emmène pour aller. L'autorité PAC et ZADEN Cécile in commémore la zone de protection réserve nationale hier. Sa l'autorité irresponsable pour bon parc marin tel qui Saint-Anne, Silhouette, Polonais et les autres encore, aussi bien qui bon ZADEN par ZADEN Botanique. Steve exécutif PAC et ZADEN Cécile Alain Sidras, il dit que protection peut passer et il souhaitait qu'ils autres continuent grand support public pour respecter bonne régulation en place. Nous ne pouvons pas faire un spécial pour dire que nous pouvons faire une activité pour tel tel endroit à cause. Nous ne pas occuper tous les jours. Là, nous connaissons dans la saison la pluie, et la pluie par l'air, il limite les touristes pour visiter. Mais par contre, nous avons beaucoup de travail qui nous fait. Nous avons un travail de conservation, nous avons l'infrastructure,
Nous nous ban monitoring l'endroit que nous peut faire pour SES. So, c'est ça nous ban activité et nous bien engagé. Mais par contre, nous fait un petit peu plus de temps arrive un anniversaire par exemple, pour une activité spéciale pour 50 ans parc national marin Sainte-Anne. Nous montrer nous pour dire qui quantité d'efforts nous peut faire. Juste pour donner un petit exemple pour comment hier nous arrivé. C'est un petit study qui tu fait le ban crab. Qui me crabe et distribution grossière dans ces sel et nous trouvons vous dit dans un urban park nous trouvons plus gros crabe ça veut dire vous dit protection peut marcher en cause si c'est dans un petit crabe vous dit mais dit monde peut prendre sa bonne crabe pour consommer mais nous voit vous dit il y en a assez gros crabe dans nos parcs ça c'est un exemple il y en a beaucoup mais il y a quelque chose qui nous pas trop publié à cause des efforts conservation important pour nous mais résultat, c'est qu'il n'y a pas resté là. Nous pouvons faire sans effort, qui peut encore soutenir nous comme une destination qui est assez haut de gamme, grâce à nos conservations. Tout est encore admis nos volontés et nos efforts que nous pouvons faire avec sa bonne conservation. 13 propriétaires petit business in Sakhalin gagnent une somme de 200 000 roupies en bas scheme Seed Capital Grant pour autres commencent ou bien agrandissent autres business. Sa 13 dit monde, ils gagnent autres dons après qu'ils ont suivi formation 4 jours, le bon élément qui est important pour faire un business. Tiens, non, un centaine petit business qui t'in fait l'application pour un don de 200 000 roupies en bas à scheme Seed Capital. Chairman Seed Capital Grand Scheme, Xavier Estico, il dit que l'innovation est un critère clé que les autres comités de sélection ont considéré pour choisir les bons gagnants. C'est l'innovation qui amène plus de valeur, même risque plus haut. Ça veut dire pour nous arriver à encourager l'innovation, nous faisons ici que l'innovation est un critère fondamental. Il faut des business, même le commencement. Innovative à long de way continuer innover à cause par exemple dit l'environnement est sans zé. Nous voyons ici football ligue deuxième division l'équipe au cap il quitte autres le bon semer pour venir un parmi bonne l'équipe qui gagne promotion sa saison hier ils ont fait une grosse victoire 8 goals loadés le l'équipe glacée. Dans ce match de 2ème division, l'équipe au Cap peut faire face avec l'équipe Glacy. C'est ça l'équipe au Cap qui commence bien dans ce match, juste 3 minutes. Femi Kashmir, il fait bon travail de carré pour battre les forces Glacy, l'équipe à Chanegar, pour faire score arrive 1 goal au 0. Dans ça l'équipe qui score encore 2 fois de 10 minutes à travers Lian Donné et Denis Balik, pour faire score arrive 3 goals au 0 pour ça l'équipe Sidmaé. Dans sa première moitié, Gianni Nouis tisco encore pour faire sa première moitié finit 4 goals au 0 pour l'équipe au Cap. Le deuxième moitié, ça l'équipe en nous, Choco, Matrezo de domination, Lady Andone, il score son deuxième goal de sa rencontre et cinquième pour son équipe. Glacy tisco, dans la 56e minute, Lerico Victor y fait compter pour score premier goal pour son équipe Glacy. Mais ça l'équipe au Cap tire à grandir les autres cas. Les Diane Waou et Marcus Lois y score pour sa l'équipe pour faire arriver 7 goals loin. Glacy tire ici mettait deuxième goal à travers Koufran Abdul Younis. Goal tard d'un match pour l'équipe au Cap par Gianni Nouis qui fait sa match fini 8 goals loadés pour l'équipe au Cap, l'équipe Glacy. Performance vraiment bon. Le Pégit sa score 7 goals. Il montait ok au Cap une domine game. Parce que de tout département, nous sommes vraiment satisfaits avec la performance de l'équipe. Well, tous les jours, nous travaillons à cause de nous, l'objectif c'est de gagner ce championnat. So, nous travaillons beaucoup, nous travaillons pour que l'équipe soit capable de l'équipe. C'est avec le football que nous terminons le bulletin de la journée pour aujourd'hui. Merci pour qui nous suivent. Pour donner les autres détails dans le bulletin, suivez le bulletin 8h10 soir tantôt.